c'est parti. Alors, je suis contre un train de la mer. Avec un Ignite. Sin. Je vais potentiellement start top side. Faire un gank niveau 2-3 en top lane. Donc on a deux exhausts contre 0. Ils sont à 38 là. Alors, je sais pas, j'ai un petit peu de vision de leur côté. Voir si le lit part au raid ou pas. Je vois ce que je peux me permettre en top lane. Après, en théorie, je le saurais de toute façon, même sans mettre de ward. Situation raid versus trend. C'est un matchup que j'ai pas souvent en ce moment, train d'amer. Avant, je le gérais plutôt bien. Après l'Ignite, ça va peut-être pas un petit peu fausser les calculs. Trade. Je vais 4 points. Il aurait pu éviter de se prendre un coup là en plus. La barre elle est parisienne. Donc ça sera topside. Moi en train d'y penser. Après j'ai peur de... Enfin ça me fait chier parce que genre... En théorie j'aurais sans doute push et pris le niveau 2 mais... Ça a largement plus de pression un Dissin qui start topside, enfin qui start red buff que un Kha'Zix qui start un blue buff quoi. Un Dissin dans tous les cas ça a plus de pression quoi donc... Il y a encore combien de potions lui? En vrai je pourrais le battre si je faisais un... Il va faire un gros trade. Ah oui, il a carrément deny là. D'accord. Son auto-attaque a été deny et du coup il m'a pu m'enchaîner direct avec le Cruit. Et moi je récolte. Pas comme redire. Je vais le mettre là. Forcément, non, je peux pas. Oh, mais je suis pas.
ne fait que taxer. Non, c'est bon. Laisse-le en paix, c'est pour Rodarius. Dans le mal là. Faut faire dans son Phantom First avec Tabi. Histoire de pouvoir gérer le kite. C'est ultra important de pouvoir kite en train d'avoir. Genre. C'est un petit peu plus strong, Triforce. On va arriver de faire un flash contre lui. Genre vraiment en early game. Hein. Bon, maintenant c'est vrai que c'est un petit peu moins le start que j'ai. Enfin, je pourrais en vrai. Hein. Mais je pense plutôt faire dans son Phantom. Hein. Parce qu'en fait, c'était à l'époque là où il y avait que Static en First quoi. Pas vraiment d'autres items duelistes, enfin c'est pas un item duelist du quoi, statique hein. Free force first pour avoir la mobilité, le potentiel de kite. Après il y a aussi le fait que genre j'attaque speed là en plus d'avoir maxé le Q-spell. Enfin je serais parti sur un maxing E, enfin j'aurais été un petit peu plus accessible hein, mais bon là on dit en termes de damage DPS hein, j'obtiendrais beaucoup plus en faisant un rush attaque, enfin un rush dancer que en chopant un phage. Un peu lui il a pris un phage. Pas drôle comme type. Ça approche de mon side théoriquement. Faut juste que je fasse gaffe qu'il me pas des grosses engages. Un peu gênant. On peut le faire en plus. Hein. Juste que j'ai une tornade à passer souvent que je m'en serve uniquement pour. Non, ça suffit par contre. Pour disengage, tout ça, tout ça, pour mettre de la pression quoi. Oh. T'as des cooldowns dessus quoi. Ah c'est... Ouais bon bah c'est un chemin d'agro car c'est un Lucky. Je crois qu'Alkazix est encore là. Il a plus la vision dans le buff. Hein. Ça. Là c'est cool. Le mec. Non. Non. MDR, j'avais mon minois là en plus. Je refocus sur d'autres détails en vrai. Genre le fait de me faire kick ou quoi, mais. Ah, j'ai mal joué. Oh, c'est pas grave, c'est bon. Le roi 6 quoi. Ah, c'est peut-être pas. Ah, si, c'est bon. Mais non, nevermind. Ah, fait chier. Je vais par une autre attaque de sbire. C'est mon rêve. Ah bah oui. En revanche j'ai des bottes. Hein. Lui aussi remarque. Hein. Donc bon. En mode, ils arrivent pas. Par ça. Bot if you want. Sûr de vous. J'y pensais aussi. Excellent à la move speed. Hein. Ok.
Il s'est mis trop bien lui en plus. Comme des assists, des XP. Moi je suis même pas une assist. Hein. Excellent. Il y a quelqu'un en top lane en plus. Ah oui, non. Quoi. Full d'or. Je suis pour à côté de toi. On va savoir l'habitude. Bon, c'est tout censé foutu pour la top lane au niveau des trades, au niveau du build aussi. Ça rien, je pourrais pas le duel. On va passer là-dessus. Mais... Non, on part sur du groupe. Hein. Parce que la diagonale est plus dure en vrai. C'est assez relou. Heureusement, on aura bientôt le sandbox mode. Pratique pour tester ce genre de truc. Amusant. Non. Petite push au pays 02 5 avoir plus de farm que mon opposant. C'est pou. Tellement inhabituel. Un nombre de fails assez insane. ACS. Voilà encore au niveau, voilà, rank max. Bon, je vois sur un build un peu plus orienté mobilité. Mais j'ai le E qui soit pas maxé. Surtout qu'avec la brillance, ça va plus orienter niveau burst que DPS. Donc maxime. Enfin, genre là, j'ai carrément changé de. Le playstyle par rapport à ce pourquoi j'étais parti initialement. Je vais faire que spell max, rush lanceur fantôme. Hein. Partir là-dessus quoi, mais. Bon. J'ai vu comment ça se passait en top lane. Je me suis dit, bon, let's go, ça m'abandonne. Normal. Heureusement, son abo ici. Putain, ça me casse les couilles. Hein. C'est ça le pire, c'est que c'est encore pire quand il y a un danseur fantôme quoi. Les mecs te passent à côté, puis t'es à travers. Hein. C'est trop trop bien. Normalement, il a plus d'ignite. Hein. Moi, je suis stuck en bot lane. Hein.
ceux qui en botlane avec un mec en ultime. Les trucs sont craqués. Ouais, pardon. Peut-être que lui. Ah, là ça enchaîne tout seul. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pas mis mon curseur dessus. Je crois que c'est le seul bug qui bénéficie à Sio. J'ai chopé un petit peu de gold histoire de pouvoir faire ma triforce. En fait là, ouais, j'aimerais même pas pouvoir faire la triforce, j'aimerais pouvoir faire la triforce plus une dague. Là je serais full cap sur le CDR, sur le spell. Alors là je sais pas si c'est pas safe. Je crois que c'est 1433 là qu'il me faut. Donc, je suis aussi cherchant la triforce toutes les saisons. Il en faut une pour réussir à retenir le prix. 183, ok. Pas drôle, hein. Vous savez ça. Ah, je peux pas là. J'ai l'impression que le Jin il est arrivé comme on utilise, genre il m'a regardé venir, puis il s'est rendu compte que j'étais sur lui, il a flash. Genre, pas flash plutôt. Ah, dommage qu'elle ait tué l'autre. Hein. Ah, on a des objectifs gratos, autant pas trade. Hein. Safe. Là faut rotate mid lane, y'a pas les loose, dommage, on va faire un sort un petit peu plus rapide. Mais ça a une importance. On récupère. On protège avec le windwall, histoire d'éviter de se prendre. Y'a que l'apéro, c'est grave. C'est des dégâts tout. On fait un catch comme ça, là en étant près des du reste de l'équipe adverse, c'est ultra important de mettre le windwall pendant l'ultimate. Pendant l'ultimate en fait c'est le moment où il y a celui le plus vulnérable au final. Hein. Pas n'importe quel type de spell. Ben, on a un mécanisme de défense en faire quoi. Le windwall c'est utile pour ça. Parce comment là, un mort, combien niveau HP? Ouais, c'est un peu la merde. Enfin, est-ce que lui il a trouvé son red? C'est ça que je veux là. En vrai je pense qu'il m'aurait pas deny le recon. Quoique avec des fire ça aurait été contré par le shield autrement je pense. J'ai dû faire le Phantom Dancer assez rapidement. Ah
Ouais, je suis chopé de la photo d'un sur mon recall là. Heureusement, il manque. Moi je pourrais me faire ça rapidement. Déjà avec les crugs, je devrais être à 2300. Ouais. Et le red buff qui va respawn. Ouais, je peux peut-être le prendre. Ouais. Ça me fait un peu chier de prendre le red buff. Voilà. Déjà parce que moi ça va me forcer à faire un recall. Perdre un petit peu de la durée. Les couilles quand on va me vider un stream en vrai. Think more has better mechanics, but arcade just play when it's more consistent. What the fuck, man? Feels like you live in an alternate world or something. Ça c'est fait.